Donc on est parti donc pour la dernière mission. Donc là je voulais. Il faudrait que j'essaye de refaire la campagne mongole, là. Les deux batailles de Mohi de Xiangyang de mon côté, pour avoir les deux succès qui manquent, comme ça j'aurai tout le succès de campagne. Donc là on est à 3 sur 3 pour les campagnes de Moscou. Donc là on est parti, donc on est 38 ans plus tard après la mission en Lituanie. On est en 1552, le siège de Kazan. Il y a un dernier succès pour cette mission, je vais tout faire pour l'obtenir. Le tsar Ivan IV sera le point du pouvoir absolu sur son propre peuple. Désormais, il cherche à s'emparer des terres d'ennemis provocateurs. Et on va gagner des objets, croyez-moi. Donc on est parti, il y a un dernier succès, je vais vous l'expliquer. Et là, ce qui fait qu'on va terminer la campagne de Russie, toutes les quatre campagnes des Jov 4. Et voilà, donc on aura de la moitié des succès, plus de la moitié, un peu plus de la moitié des succès, donc on aura celui-là, celui-là. Et le dernier succès qui me reste à faire, c'est conquête classique, détruire toutes les unités et les bâtiments de production lors du siège de Kazan. Donc on va devoir être très vigilant. Donc cette mission sera un peu plus longue, mais j'ai mon idée comment l'aborder. Après, je sais pas ce que ça va donner, bien sûr. Suite à l'expansion de Moscou à l'ouest, Ivan IV accéda au trône et reprit les plans d'expansion à l'est de ses ancêtres. Le Khanat tatar de Kazan se trouvait juste de l'autre côté de la frontière, mais les Tatars avaient résisté à de nombreux sièges russes par le passé. Dans sa dernière tentative de capturer les terres des Tatars, Ivan allait déployer de nouvelles stratégies audacieuses. Le siège de Kazan. Les ambitions d'Ivan IV allaient bien au-delà de la frontière de la Moscovie. Il entraîna l'armée de la Russe à l'est et décida de s'attaquer au Khanat tatar de Kazan. Ouais, elle va être sympa, mais elle va être coton. Ce qui est normal, c'est la dernière mission. Concentrez vos technologies sur les unités que vous prévoyez d'utiliser. Bah, j'ai déjà mon idée de ce que je vais utiliser. On va faire parler la poudre, si vous voyez ce que je veux dire. Des années durant, la forteresse tatare de Kazan avait fait obstacle à l'expansion de la Moscovie. Désormais, Ivan IV visait à anéantir le Khanat affaibli et à s'approprier ce nouveau territoire. Pour s'emparer de la ville, Ivan devrait atteindre le cœur de la forteresse et éliminer la garde personnelle du Khan. Mais d'abord, les Russes devaient établir un bastion en vue de leur siège. Ah, il est spécialisé pour recharger la poudre à canon. Ok, on sait sur quoi on part. Avec Ivan 4. Donc avec Yvan, on va partir sur ça. Donc on est H4. Très bien. On pourrait gagner un peu d'or en plus, mais bon. Là, l'objectif, c'est de se rendre vite à la colonie et la raser. Je pense que ça va nous servir de base pour démarrer. Oh, mon éclair, qu'est-ce qu'il a déjà bouffé? Parfait. Attention derrière, hein. %15. Allez, dégommez-moi tout ça. On va raser leur colonie là. Rasez-moi cette tour là. Détruisez tout. On récupère un peu de ressources par-ci par-là.
On va éviter de tuer les moutons. On va essayer de les garder, justement. En prenant la colonie tatare, les Russes pouvaient y établir leur bastion. Ivan avait préparé des ressources pour construire rapidement une base sur la Volga, et sa flotte venait de les livrer. Construisez un forum, ok. Et en plus, on a un prêtre. Alors moi, je dis oui. Forum. On va le faire là. Let's go. Dommage que j'ai perdu mes deux éclaireurs. Ah, il y a un navire qui va explorer un peu le coin. Donc je suppose que Kazan c'est là. Ouais. Donc on a de l'or ici, on a de la pierre, on a du bois. J'ai pas repéré de nourriture par contre. Donc on a une douzaine d'archers. Très bien. Les moscovites montèrent un campement. Bah, c'est ce qu'on va faire, attendez. Maintenant, Ivan devrait le défendre pendant qu'il construisait une force de siège pour faire tomber les murs de Kazan. On va devoir assiéger Kazan, ouais, tu m'étonnes. On va se mettre un camp là au sud. Par contre, il va nous falloir beaucoup de bois. Il va nous falloir de l'or et de la pierre aussi. Il y a une relique là, on a... Ok. Je vais faire un ou deux éclaireurs en plus. Bon, c'est un mur de maison, mais il va pas servir à grand chose, je sais. Pourquoi tu soignes pas, toi? Ah, quand même. Là, on va déjà commencer à récolter un peu de ressources. Donc, on va partir sur du bon mousquetaire des familles, de l'arba, du canon. On va augmenter la vitesse de collecte de nourriture. Donc il pourrait attaquer alors soit par là en faisant le tour, effectivement, soit de là. Moi je pense que l'accès direct c'est là. On ne sait jamais. Voilà. Oh oh. Ok, ils attaquent du côté que j'attendais le moins. Ah, leurs archers se barrent. Je pense qu'on va tout de suite continuer à faire des villageois. Hop. Послушлив есть, мы слови сикиштам. Куп нам путь, позратай!
C'est quoi, on va commencer à collecter de des carcasses. On va faire ça tout de suite pour donner un peu plus de rythme. Tu as aussi un troisième passage à l'aise de ta position. 1, 2. Ah ouais, effectivement, ils peuvent attaquer derrière ces sacs. Bon. Déjà, on va fortifier le coin là. Là, le donjon est en cours de construction, ça va protéger notre accès là. Jamais il tente un truc. Ah, il y a attaque de là. Hein. Venez, venez. Faculté détruisez le camp de Guy West pour réduire les attaques. Ok, plus de bois, on va aller vite chercher les ressources. Bon, là, le nord, ça devrait tenir, je pense. Hein. On va rajouter plus de villageois alors. On va explorer un peu le coin. On va augmenter la vitesse d'avatage du bois. Et on va l'extraction d'or, ce sera pas de refus non plus. Là on a de l'or. Bon, déjà. On va récupérer des carcasses. Recule-toi. Recule, recule. Ah, bien tenté. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il est entre mon forum. Très, très bien joué. Là, on va devoir tout bâtir rapidement. J'ai donné un emplacement des springales, ça peut toujours être utile. Niveau pied, on a encore de la défense ici, c'est cool. On va les ramener tout de suite au camp de chasse là. Je vais faire un monastère. On va commencer à recruter des prêtres guerriers supplémentaires. On va avoir quelques prêtres pour renforcer un peu nos soins. Как прикажете? Ладно, я.
Ils en ont rien à foutre. Ils se sont fait cueillir, mais littéralement, quoi. Je pense que je vais commencer à faire mon université. Je vais faire cette technologie-là tout de suite. Bon, là, on est plutôt bien parti, hein. Ça fait mal. Bon, ramène la relique, toi. Ok. Bon, on va continuer de produire des villageois. Bah alors. Et là, si je voulais être dégueulasse, je rajouterais un canon. Hein. Alors, on va aller chercher tout de suite ces deux biquettes-là en plus. Parfait. Oui, casse-toi, toi. Bon, on va explorer un peu le secteur aussi maintenant. Donc là, notre force initiale, elle tient. Ça, c'est le plus important. Peut-être augmenter la santé de mes unités aussi, tant qu'à faire. La santé des bâtiments sera utile. Ah, il y a une autre relique, ok. Ok. Donc dès que possible, on fera la chimie. Toi, tu vas me chercher cette nouvelle relique, s'il te plaît. Parfait. Deuxième relique, il y en a peut-être une troisième dans le coin. Bon, je sais pas, j'ai un des gars qui fait une drôle de danse. Donc c'est 50%. Hein. Alors là on a 5000. Combien ça va donner? Ah, j'ai perdu un mousquetaire, ça c'est dommage. Je vais chercher d'autres biches. Attention, prêtre. Faut le faire reculer. Par contre, là, il faut faire un autre donjon. Hein. On va vite condamner le coin. On aura deux donjons qui nous sécurent. Ok. Копейщики, облачите носы, копейщики!
Parfait. Par contre, ça, ça pue un peu. Hop, là, on va commencer à accumuler pas mal de ressources. Ok, c'est pas mal du tout. Par contre, j'ai rapproché mon camp de bûcheron, là, ça va pas du tout. Hein. Ok, ça augmente de d'un tiers les défenses. Allez, poudre à canon. Est-ce qu'il n'y a pas de la pierre dans le secteur? Ok. Et là, nous, on va tout de suite repartir chasser là. Donc là, on a que de l'or. Bon, après, on gagnera de la pierre régulièrement avec les reliques, hein, vu qu'on a la technologie requise. Ça, c'est toujours un bon point. Il y a un trésor que j'ai oublié. Donc là, la mine, elle tient encore bon. Là, j'ai perdu un de mes prêtres. Là, on a plus de pierre, ok. On va nous bondir là-dessus. Ah, on a perdu tous nos prêtres là, ça c'est con. Ok. On va commencer la collecte de l'or. Tu te sers une cabane là. Toi. On va te rapprocher. Et là, on va commencer à préparer notre camp militaire. On va renforcer notre armée parce que là, il va y avoir du boulot. Je pense qu'on va partir sur du canon, du mousquetaire, de l'infanterie, tout ça. Je vais tout de suite faire ça pour les mousquetaires tout de suite et leur vitesse. Là, on les prépare. On va ramener tout ça aux cabanes. Bon,
Ils ont des archers, donc je pense que je vais partir sur du... de la cave. J'amène tout de suite mes troupes, comme ça sera fait. Donc la portée de chevalier, ouais, ça peut être utile aussi. On va réparer tout de suite. Alors ça coûte pas de pierre, ça, vous imaginez le truc. Hop, on répare tranquillement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, on a les archers là. Là, les techs vont se faire tout de suite. Je vais attendre qu'elle se termine et après. Putain. Et là, je vais faire des cabanes juste pour augmenter mon. Mon income en or. On va en avoir besoin. Oh, pas mal ça là. Plus on aura d'or, mieux ce sera. Bon, je vais rajouter une troisième archerie et une autre caserne. Allez. Et après on va faire des canons. Ça rapporte combien cette cabane? Tiens, 68 d'or, hein. Pas mal du tout. Je vais faire un camp de bûcheron là. Là on n'a plus d'or, ok. Alors qu'est-ce que je vais faire? Un arsenal. Une forge aussi, comme ça on aura tout ce qu'il nous faut. Donc là on a une quinzaine de mousquetaires. Hein. Là on va être bien là, on aura une bonne position. Attention, ils attaquent les lanciers évidemment. Alors, augmentons l'armure de toute la carrière 4, ok.
Vous deux, là. Attention, attention, hein. Oh, le carnage qu'on a eu, là. Ouf. Je pense qu'on va commencer à préparer des canons. J'ai rajouté des canons en défense si ça peut nous aider contre leurs armes de siège. Moi perso, je dis oui. Par contre, 1000 d'or le canon. Ah, ça arrive un peu plus mécontent. Ok. Là, nos forteresses sont tranquilles. On va augmenter avec les points de vie de notre cave. Ok, on va buffer tout ça. On a 3 casernes, on va tout de suite augmenter nos lanciers. Et 3 hommes d'armes en plus, hop. J'ai combien de mousquetaires là? 15. Je monte à 6 comme ça, parfait. Je vais revendre mes ressources que j'en surplus. Il va monter à avoir 4 canons, ce serait parfait. Parfait, hop, c'est parti. J'ai rajouté un petit quartier résidentiel. Et là, on va commencer à taper les tatars en face. Reculez. Oh là là. Putain, j'ai perdu plein de mousquetaires là. Ok, nos premiers canons arrivent. Ah. Oui, nos canons sont là. Les hommes d'armes sont prêts. Vitesse d'attaque des lanciers, je veux bien. Résistance au feu de plus 4, je vais prendre si ça inclut aussi les canons. Alors, le camp, il est là. Je
pense qu'on a assez subi, il est temps de partir à l'attaque. Attention. Reculez, reculez. Bon, on va taper là. L'armée d'Ivan traversa la Volga. Il pouvait s'attendre à une résistance tatar féroce. Allez. Parfait. Parfait. Bon, on a déjà gagné ici. Allez hop, le mouton terminé. J'explore un peu le secteur. Ça sort d'où ça? Reculez, reculez le canon vite. Je sens qu'on va avoir un peu besoin de canons supplémentaires. Ah, il y avait un gisement de pierre ici. J'explore avec mes éclairs dans le secteur. Bon, regardons ce qu'il y a au nord. Oh, il y a encore une relique là. Ça, on va voir. Hop. On va explorer un peu le coin. Je suis sûr qu'il y a un camp à ce gué là, à chaque gué quasiment. On parie quoi? Là, il y a quelque chose. Hein. Tiens, qu'est-ce que je disais? Ok. Toi, tu te replies. Tu vas me poser cette relique là où il faut. On est pas mal, on est pas mal. On va ramener ce contingent en renfort déjà. Ah,
rajouter un ou deux bâtisseurs comme ça. Au niveau de l'or, là on est pas mal. Je vais aussi en envoyer un là-bas, tiens. Direct, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah j'ai oublié mes troupes. Bon. Vous les archers vétérans vous allez là-dedans. Et les 5 mousquetaires vous allez renforcer le contingent. Là on n'est plus menacé donc autant en profiter. Moi je vais tout réparer ce canon parce qu'il va en avoir besoin. Nickel. Hop, on va pousser nos canons vers l'avant. Ok, c'est pas mal. On va faire une autre cabane de nourriture ici pour optimiser un peu le bois. C'est ok. Là, il y aura beaucoup de vide hein, malheureusement. Avec eux on va remonter comme ça. Ok, il y a du monde qui attaque là, ok, très bien. Acculé mes mignons, petit petit. Putain. Pas mal joué ça. Ok. On va se mettre en route, on va raser cet autre camp là. Je crois que je vais passer à l'archer vétéran dans le doute. Voyez-vous ça? Elle est prête, non, hein. Aïe. On va récupérer leur trésor ici. Bon, c'est pas mal là comme ça. Ok, on va se mettre en route tranquillement. Il y a un autre camp là, on va le repousser aussi. Oh, on va peut-être pas le repousser en fait. Allez, pour la mère patrie. Pour le camarade Sijin. Oh merde, c'est pas la bonne époque.
deux archers de plus, là on va tenir la position. On va essayer de repousser leurs ateliers de siège. Pas mal du tout, on avance. Ah, il y a encore une tour, sérieux? Dégage. On va avancer avec toute l'armée. Les forces moscovites avancèrent dans les pâturages tatars, se rapprochant de Kazan. Non, allez vous faire foutre. Oh. Avance pour les camarades Sidjani, absolument. Ok, c'est pas mal du tout. Donc vous allez remonter ici. Et vous deux, vous allez m'aider là-bas. On va refaire un autre camp avancé là. Peut-être faire un peu de cave aussi, tiens, ce sera pas de refus. Donc on a 25 unités là, on va monter à une trentaine. Je vais avoir une trentaine de mousquetaires, je vais avoir des canons. Non mais les prêtres, faites pas les cons non plus, Francis. Reculez. Allez, let's go, on va aller chercher cette tour là. Oh là là, ils sont nombreux, ils sont pas contents en fait. On va peut-être ramener du renfort. Ah bah l'attaque surprise, voilà ce que je leur dis moi. On les a complètement pris à revers, ça c'est beau. Là, on est en train de se faire un petit camp. Je vais partir sur du chevalier, tiens. On va en avoir besoin. On a un autre Pégu qui fout rien. Donc là, en fait, le succès, c'est de raser toutes les unités, tous les bâtiments. Dans le doute, je vais raser les moutons aussi, comme ça, on est sûr. Alors, combien il me reste de lanciers là? Oh, 14, c'est un peu faible là. Hein. On va remonter à 6. Les hommes d'armes, ils sont 9.
Jamais on perdait des canons, ce serait dommage. Donc là, je pense que la force de 30 mousquetaires, là, ça devrait être pas mal. Hein. Allez, plus d'or, plus d'or. On va partir sur du chevalier d'élite en prime. Déjà un petit groupe de 8. Ok. Ok, ça devient pas mal là. Allez mes mignons. Fort que tout petit monde. La Russie recrute en masse, messieurs dames. Bien joué, bien joué. Enfin, recrutement massif. Comme Henri, hein, pour ceux qui ont la référence. Oh là là là, malheureux, malheur, malheur, horreur, malheur. Vite. On a failli avoir un désastre là. Ouais, on répare tous les canons là. Ok. Je
Les deux éclaireurs, je sais pas où ils sont. Bon, pas grave. C'était un désastre fort. Ça aurait pu, ouais. Reculez, reculez. Abattez-moi leur tour là. Tout leur truc, sérieux. Pas mal du tout, tout ça. Allez, le mouton fumé, vous, qui adore. Ok. Reculez, reculez, on prend trop de pertes là. Les sièges précédents avaient échoué, mais Ivan avait juré que cette fois-ci serait différente. Allez, on recule, on recule. Déconnez pas non plus. Ah, shootez-moi tout ça. Shootez-moi tout ce petit monde. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a réussi à shooter le gros de leurs armes de siège. Mais... ouais. C'est l'imposant mur extérieur de Kazan. Mais la ville disposait d'une défense supplémentaire. Un deuxième mur intérieur séparait Ivan de la garde personnelle de Khan. Bon, par contre, là, on a un petit problème en prêtre, là. Par contre, là, on va refaire un peu notre armée à la manger, hein. On va rajouter du chevalier en renfort. J'ai cru que j'ai vu un succès passer, mais j'ai dû halluciner. Pff,
fait souffler lui. Ah ok, il y a un autre camp là, d'accord. Bon, très bien. Allons raser ce camp ici, on sera tranquille. J'ai ramené mes lanciers en support là, je vais voir s'il y a autre chose. Ok, c'est le même camp là, très bien. Faut arrêter les rituels traces, ouais, je confirme. Tu m'étonnes qu'ils avaient des bonnes réserves. Bon, on va soigner un peu tout ça. Bon, on sait qu'il y a une force là-bas, on va aller s'en occuper après. On doit tuer en fait toutes les unités, tous les bâtiments de production. Alors, où est cette muraille? Ah, ils sont là, leurs foutus archers. Parfait, bien joué. Logiquement, vous pouvez passer là. On a une belle force de renfort qui va débarquer. Oh, encore des bâtiments ici, hein. Ok. Oh putain, j'ai perdu un... Ah, on perd nos canons, là ça va commencer à être compliqué si c'est ça. Faut vite qu'on refasse des canons là, on en a besoin. Attends, me dis pas qu'on a tout perdu là. Ah bah si. Ok. Là, il faut vite refaire des canons. Hein. Oh,
Je sais que ça peut être long, hein, je peux comprendre, hein, je suis désolé, mais bon. Si je veux faire le succès bien comme il faut falloir que ça prenne plus le temps. Attends, avant de faire ça. Bon, au moins on a 4 canons là. 4 canons c'est le minimum pour faire du dégât. Allez. Ah oui, bien sûr. Parfait. J'ai envoyé un groupe de pillage là. Oh là là, faut... Non mais il y a un bug avec les canons, on est d'accord, hein, je rêve pas. Partout. Ok. Allez, on va envoyer les archers là-dedans. Allez, ça va être l'homme de la récolte des moutons, les gars. C'est ce qu'il est en train de faire, moi-même, justement. Il en a chopé 15, hein. Allez, regardez-moi ça, là. Voilà, on a enfin assez d'espace pour pouvoir progresser. Ouais. Ouf. Ouais,
Allez, détruisez-moi tout ça, là. C'est ça, maman. Reculez, reculez, reculez. Reculez. Bon, on va reculer parce qu'il y en a qui ont décidé de faire n'importe quoi. Comme d'hab. Mister José, comment tu vas? Allez, on continue de rajouter des mousquetaires en renfort. Bienvenue. C'est quoi ça? Tente de prière, bah, juste. Oh, un fofo. Oh, un marché. Tu arrives pour l'assaut final sur Kazan. Oh là là, oh là là, reculez, reculez. C'est quoi cette portée de taré là? Oh. Merci. Bon, c'est pas mal tout ça. Ah, il y a un canon enragé. Bah tiens, le canon enragé, voilà. Ouais, je sais, Mister José. Bah après, il y a eu beaucoup de campagnes, hein, tu sais. Après, j'espère que tu les apprécies un minimum. Ok. C'est quoi cette œuvre d'art? Oh, c'est une merveille, ça. Bah là, t'as de la chance, Mister José. Pour moi, t'as que 4 campagnes sur AO4. Bon, 35 missions, mais bon. Je crois qu'il y a une merveille qui va regretter d'être née. Oh, oh bah ça alors. Oh bah merde. Parfait. Oh bah alors la merveille. Oh bah. Ok, j'ai pas compris là. Ah, il y a une tour là. Oh, mais arrêtez de mongoliser, ça devient chiant, là. Oh, allez. Oh là 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 là, allez. On va peut-être reculer, les gars. Faudra peut-être arrêter de déconner un moment. Pas mal du tout. Donc vous, là, vous allez venir avec moi. Par contre, là, j'aurai besoin de renforts. Bon, lui s'est calmé tout de suite. Wow, 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 attention là-bas. Il
Visez-moi là-bas, les escopettes. Donc, Ulte, là, il est en train de tomber aussi. Reculez, reculez, ils sont en qui là-bas? Bon, on va voir, je suis sûr qu'il y a autre chose là. Wow, 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 wow. Reculez, reculez, ils sont vénères ici. On va faire des renforts. Il sort d'où ces gus là? Je dis ça comme ça. Hein. Quand tir à l'arc là que j'avais pas repéré, c'est pour ça. Ok, je comprends mieux. Ouais, ouais, ça sera la dernière mission. Mais j'ai fait un live sur Troy de 2 heures pour présenter le nouveau DLC qui arrive, qui était vraiment super. Pour le peu que j'en ai fait, je suis conquis. Ok, là il va falloir refaire des troupes en masse. Et là, on va faire tout de suite un donjon pour tenir le coin. Bon, on va continuer. Je suis sûr qu'il y a encore des unités sur les murs dans le secteur. Oh là là. Boum, bisous. Ouais, je liverai sur un jeu, hein, que je laisse un peu encore du mystère. Parfait. Hop, attention ici. Ok, allez. Ah, j'ai perdu un canon, donc... Ok. J'en perds un, j'en refais 3. Mm-hmm. Faire une défense ici également. On va aller voir ce qu'il y a là, parce qu'il y a sûrement quelque chose. Hein. Là, j'ai monté à 8 canons, il y en a qui vont se dire mais il est fou. Oui. Ah bah tiens. Non mais faut arrêter le trafic de moutons là, ça devient scandaleux.
Vous avez vu ce trafic de moutons, sans déconner. J'explore un peu avec mes cavaliers. Bon, ça devient intéressant. Mon Dieu, il est fou. Comme quand c'est génie nous protège, il nous faut plus de canons. Ah oui. Bon, on est une bonne force armée là. J'essaie d'explorer un peu le coin. Ils ont peut-être un camp là, je suis quasi sûr. Le dos droit. Oui, bien vu, monsieur José. Je vous ai mis ces points il y a quelques temps. Et santé. J'ai toujours dit que la meilleure ressource dans le jeu du... Ah ouais, c'était le mouton, c'est pas faux. Sinon tu vas te faire bobo, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un camp ici? Parce qu'il y a un guet quand même. Ramener les canons. Bon là on est bien niveau ressources hein. Par contre, là, il va me falloir un autre éclaireur dans le coin. Lui, il va l'explorer par là. Ouais, le jeu, il est bien bon. Même s'il n'y a que 4 campagnes et que 8 factions, mais je mets ça avec des pincettes. Allez, rasons ici cette tour là tant qu'à faire. Ah oh, putain. Pourquoi quand je te dis de venir? Alors je fais ça parce que ça, j'ai un bug avec les canons. Boum, petite tour. Allez, let's go. Avec 3 canons, est-ce qu'on peut shooter ce bâtiment là-bas, j'espère. Oh la vache! Oh oui, ils sont nombreux ici, d'accord. Ah ok, ça joue comme ça. Tu vas voir.
Reculez, reculez. Il y a toute la France à Kazan. Toute la France, je sais pas, mais une bonne partie, on va dire. Alors je vais tenter de provoquer hein. Allez, venez mes mignons. Ah la vache, ils sont tellement nombreux là. Mais non, mais allez pas vous suicider bêtement. J'ai une poignée de chevalier qui est revenue. Allez, chargé dans le tas là. Écoute, leur armée est en train de plier. Ça fait qu'on se retrouve déjà avec 8 canons. Est-ce que, j'espère que ça suffira pour tout raser. Parfait. Maintenant l'archerie, on est tranquille. Le mur intérieur de Kazan s'effondra face aux forces divines. Dans la ville intérieure, la garde du Khan l'attendait. Mais va, allez pas là, allez pas vous suicider non plus. Voilà. Boum, bisous. Так как крупный пол уже подвоен на Мататкану. Я crois que j'en rajoute un 8ème, hein, il en faut un. J'ai encore perdu tous mes prêtres, ça devient chiant ça. Donc, je me retrouve avec 11. 22. Ils sont combien d'hommes d'armes encore? J'en ai encore 9. Toi. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Normalement, j'ai quand même exploré avec mon éclaireur.
Il est prêt à la soigner un peu. Ah, c'est leur faux qui nous tire dessus, c'est ça? Bien joué. Plus de faux, on est tranquille. Notre tour. On va voir s'il y a encore une défense là, mais je pense pas. C'est pas mal, je pense que là ça doit être suffisant. Il va nous falloir encore un peu plus d'infanterie de piqué peut-être. Déjà là il n'y a plus rien, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. On est pas mal du tout. Juste on a un dernier éclaireur par là, on sait jamais. Dans le doute, j'ai envoyé quelques cavaliers là. Ah, attention. Il reste qu'une tour là, mais je pense pas que ça soit pénalisant. Et dans le doute, je l'ai pété quand même. On va raser cette tour pour être sûr. Parfait.
Salut CJ, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Alors le rond, il s'en sort? T'es en train de pousser dans le Mordor, au cœur du Mordor? Ah bah, je suis en train de faire essayer de faire le succès Steam de la conquête totale sur cette mission. Allez, il est temps de faire un petit trou. Bon, mais mignon. Ah, cool. Ah là, si tu annonces que ce soir, là, je termine. C'est la dernière mission que je suis en train de faire. Et après, Age of Empires 4, pour le moment, je mettrai en pause. Enfin, pour les campagnes. Après, on verra s'il y a d'autres campagnes qui arrivent dans le futur, hein, bien sûr. Faut lui laisser un peu le temps. Bon, un canne. Bah là, il est canon. Voilà. Et oui, je fais des blagues de merde, je sais. La garde du canne, elle doit être tranchée, je pense. Avec allez. Un puissant cri de guerre, la garde d'élite du canne attaqua les forces d'Ivan. Reculez, reculez, laissez-les venir. Je pense pas qu'il y ait plus grand chose hein, après. Ah si, ça va. Il devrait faire passer l'éclaireur dans la zone d'ombre. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien, Momon. Hein. Je les vois pas mettre un bâtiment derrière. Il restait des monuments économiques. Est-ce que ça compte? Ivan et les Russes écrasèrent la garde personnelle du Khan et s'emparèrent de la ville de Kazan. Je l'ai, conquête classique. Pour la première fois, la Moscovie commença à étendre ses frontières vers l'Est, affichant son ambition de revendiquer des territoires toujours plus lointains pour l'Empire russe. Pour la mère patrie, da. C'est la fin de cette mission. Alors, qu'est-ce qui nous attend comme épilogue avec cette campagne? Kazan tomba sous les canons moscovites, ce qui permit à Ivan IV de s'emparer des territoires étrangers pour la première fois. Il avait ainsi rempli la mission de ses ancêtres en rassemblant tout le pouvoir russe sous la coupe de Moscou. Ok, on a eu les deux derniers succès de campagne. Donc il nous en manque deux avec les Mongols. Mais bon. Alors, on va faire la vidéo sur les Strelsi. Donc les canons. Ouais, je l'ai eu, Momon. Conquête classique, c'est bon. Streltsy est le terme russe qui désigne les tireurs. À la fin du XVe siècle, Moscou les avait intégrés dans ses troupes régulières, munies d'arquebuses, une arme à feu commune à toutes les armées européennes de l'époque. This is an arquebus. It's an early type of musket. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball. Une bourre de papier enfermait la charge. Then both ball and wad are rammed home tight. Pour tirer, on place la poudre d'amorçage dans le bassinet. The priming is lit by a match. Our match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. Lorsqu'on l'allume, une flamme passe à travers un petit trou à la base du canon et met le feu à la charge principale. L'un des principaux avantages de l'arquebuse était ses munitions peu chères et faciles à préparer. On versait du plomb fondu dans un moule spécial. Du plomb. Il refroidissait en quelques secondes pour retrouver un état solide, ce qui permettait la production de grandes quantités de balles de plomb. Pour finir, on supprimait l'excès de plomb, appelé une carotte. Les Streltsy recevaient une solde en argent et en pain, et vivaient avec leur famille dans des villages bâtis spécialement pour eux, appelés Slobodi. Les Streltsy constituaient un nouveau type d'armée, des soldats ordinaires, recrutés parmi les marchands et la main-d'œuvre agricole.
An early arquebus had an extremely heavy barrel. Pour tirer avec précision, l'arme devait être stabilisée et les Streltsy avaient une solution. This is a type of axe called a bardiche, and for the Streltsy, it doubled as a gun rest. Les arquebusiers étaient vulnérables face à la cavalerie. Mm-hmm. Even with experience, reloading takes time. And cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, your position becomes perilous very, very quickly. However, with the scything power of a bardiche, a Streltsy has at least the chance to withstand a cavalry onslaught. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Au fil du temps, les armées de Moscou recrutèrent de plus en plus d'hommes munis d'armes à feu. Il s'agissait de troupes recruteuses qui changèrent la manière de faire la guerre. Ouais, alors les boss, elles se paumaient ou elles intimidaient au moins. Je pense que c'est surtout que ça les faire chercher un peu comme avec les Espagnols de Cortés contre les Aztèques. Bon, après, c'est je sais pas si c'est le même contexte, on va dire, mais c'est à peu près. Attends, Tenochtitlan, il s'est tombé dans le 15e, 16e, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près je pense que c'est à peu près les faits là après. Alors, Ivan IV dit Ivan le Terrible, je suppose que c'est la dernière vidéo. Alors, Ivan le Terrible. La victoire d'Ivan IV sur le canal de Kazan marqua le début de l'expansion russe en Asie. Pour commémorer cette grande bataille, Ivan ordonna la construction de l'un des monuments les plus complexes au monde, la cathédrale Saint-Basile à Moscou. Mais alors que les campagnes d'Ivan l'éloignaient de plus en plus de son domaine, le peuple russe devait payer ses dépenses. Les impôts élevés semèrent bientôt le mécontentement dans les provinces. Certain qu'une rébellion se préparait, Ivan envoya sa redoutable police privée aux trousses de ses opposants politiques. Tiens donc. Et convaincu de leur traîtrise, il ordonna également l'arrestation et l'assassinat de tous les membres de sa famille qui risqueraient un jour de concéder le trône à son fils. Une génération plus tard, la Moscovie n'avait plus d'héritier. La dynastie centenaire qui avait commencé avec Daniel de Moscou venait de s'éteindre. Dommage, hein, pour quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de choses, hein, bon, ses ancêtres aussi, hein, faut pas l'oublier. Je suppose que c'est la vidéo là, l'héritage de la Moscovie. C'est la vidéo finale de la campagne. On va voir ce que ça donne pour boucler cette mission et cette campagne. Ivan IV était parvenu à percer les remparts de l'ancienne ville de Kazan et son armée déferla dans les rues. Elle chassa ses défenseurs et leurs alliés avant de mettre la ville à sac. Kazan était tombé face à la puissance militaire implacable et aux innovations stratégiques de l'armée moscovite. Dans les années qui suivirent, Ivan IV enchaîna les guerres pour étendre le règne de Moscou sur de vastes territoires. En 1547, il se fit sacrer premier tsar de toutes les Russies. Et sa lutte incessante pour obtenir de nouveaux territoires influença tous ses successeurs. Pardon. Moscou n'était plus un simple fort sur les rives de la Moskva. Elle avait survécu à des siècles d'oppression mongole et à des guerres avec les États voisins. Son passage de fort à ville, à État, puis à empire, ne s'arrêterait pas là. L'ascension de Moscou a fait de la Russie l'une des plus grandes puissances au monde. Bon, bah j'espère en tout cas que cette campagne vous a plu, cette mission aussi. On se dit à la prochaine, hein, pour la suite des campagnes. Ça c'est certain, s'il y en aura. Moi je pense qu'il y aura des extensions, qu'il y aura des campagnes. Alors peut-être pas beaucoup, mais je pense qu'ils vont pas en rester à 4 campagnes. Ça m'étonnerait. Je dis mon point de vue.
Donc voilà, bah, merci à tous de votre suivi en tout cas, et on se retrouve à bientôt pour la suite des aventures. Allez, des bisous YouTube, ciao ciao.